Bonjour, vous êtes bien dans votre espace client, enfin espace pro, unboncoiffeur.fr. Et aujourd'hui, nous allons voir le menu et le lien surtout client et prospect. Donc, sans plus attendre, on va aller sur client. Et ici, on peut constater que vous avez la liste de tous vos clients correspondant à ceux que vous aurez enregistrés en cliquant par le bouton ici Créer un contact ou tout simplement ceux que vous aurez enregistrés lorsque vous aurez inséré un rendez-vous à partir de l'agenda. Donc tous ces clients-là se retrouvent ici. Vous avez des clients qui viennent et qui sont membres de la communauté Unboncoiffeur. On voit ici oui ou non, d'accord? Et vous avez toutes les coordonnées correspondantes. On va aller éditer une fiche pour voir un petit peu. Donc ici, vous avez le nom, le prénom, le numéro de téléphone mobile, son adresse email et l'historique des rendez-vous. C'est-à-dire que ici, par exemple, il est venu le 21 mars. Enfin, il avait pris un rendez-vous le 21 mars et on l'a annulé. C'est le salon qui l'a annulé, puisque c'est annulé par vous-même. Ça veut dire que c'est le salon qui l'a annulé. Voilà. Mais ça, ce sont des tests, c'est pour ça qu'on le voit comme ça. Mais tout l'historique de tout ce qui se passe sera visible et sera indiqué à cet endroit-là dans le suivi de votre client. Si c'est un client qui aura pris rendez-vous directement en ligne, eh bien, il y aura marqué ici rendez-vous en ligne effectué. Et si c'est le client lui-même qui annule son rendez-vous parce qu'il ne peut pas venir ou quoi que ce soit, il a la possibilité de l'annuler directement sans vous appeler ou quoi, et comme ça au moins ça ne vous dérange pas, ici vous verrez annulé par le client. Voilà. Donc ce sont des indications qui sont assez importantes pour vous permettre de gérer vos fiches clients. Ici en information, vous pouvez mettre ce que vous voulez, d'accord? Vous pouvez mettre des commentaires sur votre client ou quoi que ce soit. Et si vous avez la ville et l'adresse, ben vous pouvez rajouter et vous pouvez rajouter tout ça dans la fiche et bien évidemment l'enregistrer pour que toutes ces modifications soient prises en compte. Voilà pour la partie client. Donc maintenant, si on va dans les prospects, c'est un peu comme les clients, sauf que c'est différent parce que les prospects, ce sont des clients qui viennent essentiellement de notre service. Ce ne sont pas des clients exclusivement à vous, ce sont des personnes qui viennent à partir de notre site, du site unboncoiffeur.fr, et qui vont cliquer sur votre fiche, qui vont renseigner ou qui vont faire une demande de rendez-vous ou quoi que ce soit. Donc ces prospects-là seront indiqués à cette page-là. Voilà. Donc, on en a terminé pour les clients et les prospects. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.